118, strophe 3. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain.
Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je la garderai. Ô merveille de la loi, étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi, je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices, tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La parole a retenti jusqu'au lointain. Message jusqu'aux limites du monde. Psaume 125. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilleux, que fit pour eux le Seigneur. Merveille, que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semelles qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains, tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, à l'entour de la table, voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Lui
puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu la torche et la flambeau. Cantique de Baruch 3, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a rempli d'être vivant. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle d'obéir en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elle répond de nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie Delfieux, le temps de grâce de l'Avent. Très concrètement, que nous faut-il donc faire pour hâter ce jour de lumière et de bonheur, ce jour qui vient, et supporter cette existence d'épreuves et d'obscurité qui dure encore? Pour travailler de toute notre énergie à éliminer le plus possible le péché et le mal de ce monde, où tout passe au long des jours, et de cet homme qui vieillit chaque jour. Et pour les conduire tous deux du mieux possible vers cette paix qui leur est déjà donnée et cette vie d'amour qui leur reste promise. Tout d'abord, aller au désert. Quelles que soient nos vies, il y a telle difficulté à supporter, telle épreuve à traverser, tel détachement à consentir, tel engagement à tenir, tel renoncement à faire peut-être. C'est le lieu de notre propre désert. Ne le fuyons pas. Tout un dépouillement nous est nécessaire, tout un détachement nous reste indispensable si nous voulons vraiment nous attacher à Dieu et être revêtus un jour de sa gloire. Ce temps de grâce de l'Avent nous révèle qu'une voix retentit au creux de nos propres déserts. Une voix qui nous appelle à un peu de solitude avec Dieu, à un face-à-face de prière plus soutenu avec le Père. À prendre conscience un peu mieux que tout reste relatif en regard de celui qui seul suffit, car il est l'absolu pour toujours.
Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si personne ne proclame. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit: comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru, Seigneur, et nous entendons parler. Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il est beau de fêter Saint André au début du temps de l'Avent, tellement marqué par la personne de Jean-Baptiste, le précurseur. Saint André, avant de devenir apôtre et disciple du Christ, était disciple de Jean, celui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est dans l'Évangile selon saint Jean que nous voyons le mieux chez André les traits de son premier maître. En entendant Jean indiquer Jésus comme agneau de Dieu, André se laisse envoyer immédiatement
vers celui que Jean reconnaît plus grand que lui-même. Ayant rencontré Jésus, André ne tarde pas à le montrer, comme l'a fait Jean à son frère Simon. Et puis, à nouveau comme Jean, l'ami de l'époux, André s'efface en laissant toute la place à Jésus pour qu'il puisse agir dans la vie de Simon selon sa volonté, pour que s'accomplisse tout ce que doit s'accomplir. André est un disciple au cœur disponible qui a cru à la parole du précurseur. C'est aussi le sujet de la foi qui marque particulièrement le passage de la lettre aux Romains que nous venons d'entendre. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On peut se demander, est-ce que je crois assez? Est-ce que ma foi est suffisante? Comment la mesurer? Comment voir si elle est là? Dans les évangiles, Jésus lui-même demande la foi. Et il s'émerveille quand il la trouve chez quelqu'un. C'est la foi qui lui permet de faire de grandes choses dans nos vies. C'est lui-même qui voit la foi dans nos cœurs. Oui, il la demande, mais aussi il se laisse implorer. Dans l'évangile de Marc, le père d'un enfant possédé, en demandant au Seigneur sa guérison, s'écrie « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Les disciples de Jésus, eux aussi, le supplient. « Seigneur, augmente en nous la foi. » Faisons de même, nous ne serons pas confondus. Le cœur dont parle saint Paul dans sa lettre est le siège de la volonté, des décisions. Le cœur de l'homme est sa liberté. Croire, c'est choisir. Engager sa volonté à faire confiance au Christ et adhérer à lui. Et même si notre volonté est encore faible, le Seigneur peut faire beaucoup avec le peu que nous lui donnons. Un bénédictin anglais, Dom John Chapman, écrit à un jeune ami laïc. Il n'est pas nécessaire de vouloir Dieu et ne rien vouloir d'autre. Vous n'avez qu'à vouloir Dieu et à vouloir ne rien vouloir d'autre. Rares sont ceux qui vont réellement au-delà. Dieu nous aime et prend non seulement la volonté pour l'acte, mais encore la volonté de vouloir ou le souhait de vouloir. Seigneur, donne-nous la confiance et affermis notre volonté pour que nous devenions ces messagers de la bonne nouvelle de ta venue que nous attendons. Thank you.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, en particulier pour les victimes des ouragans en Amérique, des inondations et des conflits au Moyen-Orient. Apprends-nous à partager et à compatir. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont froid et faim, ceux qui se trouvent sans logement. Apprends-nous à leur tendre la main pour les aider à retrouver une pleine dignité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes seules, découragées, sans espérance pour demain. Apprends-nous à leur apporter le réconfort dont elles ont besoin. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce.
Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.